Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo les chal, hadi madartou, je sais que la vidéo que tu qarrabtou, ghadi tjiou liya tal fas bach tchelqou liya vraiment parce que tellement tlobtouha liya sur Instagram. Tlobtouha liya hnaya, c'est une marque ou là c'est un focus dial wahed la marque li rja, je pense c'est la marque qui a été le plus demandée pour faire le crash test. Donc voilà, lyoma enfin je m'exécute, enfin ghadi ndirou had crash test hada. Et je parle de la marque Essence Cosmetics. Alors je sais que la marque Essence c'est une marque qui m'a fait beaucoup d'affaires au Maghreb, c'est une marque qui est vraiment pas chère, mais qui a des stéréotypes qui goulou comme quoi la marque Mesbinesh, la marque voilà, tout ce qui est pas cher n'est pas forcément très quali et tout. Ou un petit limon pour se faire et pour vous donner mon avis sincère et honnête là-dessus. Quel est des produits que j'ai déjà testé au préalable parce que déjà qu'elle me dit. Quel est des produits liés à la source, donc on va les crash tester ensemble. Hâte la vidéo ready. Je vais me maquiller, je vais vous faire un retour la fin de la journée haka pour voir où le maquillage et la tenue. Moi et pour vous donner mon avis sur le sujet. J'espère du coup être la vidéo t'es super cool. Il est parce qu'on va nous faire le lien les likes des commentaires si jamais ou sur le canal si la première fois que tu regardes la vidéo d'ici ou mais elle m'a fait toucher là ou on a aussi les canaux c'est comme il est comme n'importe quelle marque de cosmétiques, make-up ou la soin ou la je sais pas une marque c'est elle ouais je les brûle une tester n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà ouais c'était la petite info. Barakam blabla nous on le crash test. Yes. Juste en face, peut-être les produits essence, les Indiana et déjà pas. Ou les produits. Tadam! Les Jaunimnen Zinabel. Alors, déjà, un grand merci à la marque Zinabel Atelier qui me sponsor à chaque fois en m'envoyant des produits à tester. Merci beaucoup à Zinabel Atelier de me sponsoriser et d'être là pour moi et de m'encourager. Merci beaucoup. Merci. Je vous adore vraiment, Zinabel Atelier. Ils sont géniaux. C'est ma la vérité. Le magasin à la Kain sur Mohamedia et sur Casa, je pense. Ouais. De toutes les manières, je vais le l'Instagram des gens en barre d'infos. Comme je suis Elia, comme ça tu fais bien le make-up, le rendu, etc. J'espère que la luminosité, ça va. Tu as le cadre, j'espère que ça va. J'ai testé gars, les coiffés, je trouve la luminosité, la disposition et tout. Bref, j'espère que ça va pour vous. Le nouveau cadre de vidéo et la luminosité. Bref, j'ai peut-être d'ailleurs gars d'exil les Indian Essence. Que ce soit les je viens de recevoir de la part de Zinabel, que ce soit les choses liées déjà qu'à l'ONDI. Donc on va commencer avec le teint. Je suis vraiment contente de faire un petit crash test à demain, la vérité. Alors, je trouve vraiment que Essence est une marque qui est très mais il y a bizarre le potentiel, mais je ne comprends pas, la SNES ne s'intéresse pas trop à cette marque là, sachant que vraiment elle a un amour. Dès que je l'ai testé, je peux vous faire un petit sneak peek, mais dès que je l'ai testé vraiment dans le truc où elle est, c'est pas cher. Oui, quand même, je suis excited, oui, je sais, mais bon, si tu le on essaie de vous dire, je les commentaires, ah, n'allez pas faire que la drama, wada. Mais on s'en fout, je passe du temps avec vous à travers la vidéo. Les gars, c'est comment ça me tente avec vous. Bref, alors on va commencer avec le teint. Bien évidemment, j'ai hydraté ma peau, d'être ma routine, bref. Et le fond de teint, les radis nouveaux récommandés, les radis dans les commentaires, ou le Insta Perfect d'IEL Essence que j'ai testé depuis. Je le teste. Il est très bien, il est léger. Attention, il est léger à moyen, il est modulable. Donc c'est un fond de teint qui est bien, un ensemble ensemble. Pour l'instant, elle dit la teinte. J'utilise la teinte 30. Alors, Anna, le fini du fond de teint, je le trouve mat. Et ils disent qu'il est waterproof. La vérité, c'est vrai, mat. Je le porte beaucoup la journée. Quand tu as avec ça, un peu de sueur et tout. La vérité, il n'a jamais bougé. La zone, il y a des clébibas, des beauty, des l'éponge. On va aller tapoter pour avoir plus de couvrance sur les clopins. D'abord, on va aller dans l'anti-cerne. Nous faisons l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, je le teste avec vous. Je ne le connais pas. C'est le All Day Stay Caesar Long Lasting Concealer Waterproof en teinte 10 Natural Beige. C'est la teinte la plus claire des traits. Donc, là, ça va. Je pense que ça va mal. Alors, dirons-le. J'aurais préféré plus clair, mais alors la seule chose que je pourrais reprocher à la marque Essence, c'est les teintes. Ils n'ont pas assez de teintes, ça je trouve. Alors, le fond de teint, je pense, donc j'ai comme ça, c'est-à-dire les teintes, le concealer aussi. Donc, je trouve ça assez dommage. D'abord, les couleurs, les carnations très foncées, McKinney. Les carnations très claires, McKinney, c'est vraiment dommage, mais bon.
c'est une marque drugstore à bas prix, faut pas trop leur demander non plus. Mais voilà, j'aurais aimé qu'on canot beaucoup plus de thèmes. Là-bas, on va venir blender la chicamel, l'éponge jelly real techniques. Et tout, il s'estompe hyper bien. C'est un antiseptique léger, je trouve. Il n'est pas totalement couvrant. Je n'ai pas beaucoup de cernes. En vérité, j'en ai même pas, je pense. Mais je pense que l'anti-cerne, il sera pas adapté les com. Il est vraiment, c'est un antiseptique pour l'été, pour Nassima Barinchit maquillée au bzef et tout. Il est génial. Je trouve vraiment qu'il est bien. Mais après, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus courant, la vérité. Alors d'abord, la poudre. Et la poudre, en fait, et ça sera toujours une nouvelle gamme de produits. C'est la collection You Better Work. Alors la collection You Better Work, c'est une collection faite spécialement pour les gens lesquels ils transpirent la journée, ils ont la peau trop grasse, et surtout les gens qui vont au sport, like me. Et regardez-moi, là, tu casses maquillée au sport. Ça m'arrive d'aller au sport maquillée parce que je n'ai pas le temps de me démaquiller avant. Ou d'arroler une gamme spéciale pour ça, pour que le fond de teint ne coule pas avec la transpiration, le mascara et tout, vraiment, donc être vraiment zwinine. Et on va tester ensemble la poudre You Better Work Diane Essence. C'est une poudre translucide, avec une petite mousse. J'utilise ça au pinceau. Donc je vais prendre mon pinceau, et je vais prélever de la matière. Pour j'ai une fixibira l'anti-cerne d'abord. Alors déjà je peux vous dire que j'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement fine, on n'en voit pas du tout, j'aime vraiment faire là, je n'applique pas de poudre, il y a zéro effet matière. Et elle est aussi brightening, elle est éclaircissante, illuminatrice, voilà. C'est une poudre qui est illuminatrice, elle illumine très très bien le dessous de l'œil. Juste pour fixer. Le bronzer et le bronzer, ça j'ai hâte de le tester. Alors Anaya m'a pris un bronzer parce qu'il n'y avait pas trop, il n'y avait pas cool chiffre le stand en rupture de stock, mais pour remplacer le bronzer j'ai pris une compact powder, poudre compacte, mais Tintaka à ma monnaie pour les carnations un peu on va dire mat. Maintenant je sème là comme bronzer et ça je l'ai swatché sur la main, il y a vraiment la texture d'elle très bien. Très bueno, oui c'est ça. Donc alors pour réchauffer un pinceau bhala kbir. Alors vu que ça d'abord, surtout que d'afid, je sais pas ce que c'est comme à la caméra, j'ai perdu du poids et j'ai perdu du poids mais donc là où lundi un petit creux ou ma prise qu'un des bzaf contouré parce que j'ai pas envie d'accentuer bzaf avec le creux, ben non. Donc on a un gros pinceau bhala kbir pour le bronzer pour réchauffer mon teint en légèreté. Donc comme ça. Tapoter du mal excédent ou une chocolatine qui récolte. J'aime bien. Aftou, je pense pas que je suis comme pour le contour parce qu'il est. C'est pas une couleur froide, mais pour réchauffer le teint, très belle couleur. Très très belle couleur. Aftou, entre le bronzer et la terracotta, j'aime beaucoup la vérité. Je sais pas ce qui m'a dit comme à la caméra. Bah là, ça m'avait manqué de filmer une vidéo make-up. C'est vraiment là comme Afini. Anna est ma spécialité. Chaud, la couleur. Anna, ma spécialité, c'est le make-up. Ou c'est vraiment les vidéos qui m'éclatent le plus. Et que j'aime beaucoup faire. Afabli, c'est pas forcément les vidéos que tout le monde aime regarder. Parce qu'il y en a beaucoup et tout. Ou Khlasnit sur ma chaîne, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues. Après, ça dépend. Mais la plupart du temps, les vidéos make-up, c'est pas ce qui se voit le plus sur ma chaîne. C'est plus les vlogs, les vidéos avec Mehdi, des trucs comme ça. Mais bon, Anna, honnêtement, ça m'éclate ou je ne changerai jamais l'ADN de ma chaîne. L'ADN de ma chaîne, c'est la beauté, c'est le bien-être et tout. Donc, je ne changerai jamais ça. Bien sûr, Anna, je vous dis du contenu varié, je travaille un peu tout sur ma chaîne. Mais voilà, je vous laisse me dire, la couleur. Je vous laisserai me dire en commentaire qui veut comme ça. Je pense vraiment que je vais le saigner parce que t'as dit vraiment l'effet qui est venu. Il connaît une diète. Je trouve ça a réchauffé mon teint, mais qui est belle, ça fait très très naturel. J'aime beaucoup la vérité. Ça fait très frais, je me suis bronzée naturellement au soleil et tout. Bref, je sais la pas. Alors d'abord, j'ai pas trouvé malheureusement de blush. Alors d'abord, je vais les sourcils. Alors pour les sourcils, j'ai pris
un crayon. Ouais, déjà testé tout, peut-être comme déjà un tuto essence Instagram. Donc, j'ai tracé la carte, mais bon, légèrement, ça ressemble chez ça et puis Bali. En fait, la couleur de la tout crayon, on appelle un gris, qui a vraiment un effet vraiment zoin. Dites vraiment votre avis dans les commentaires. Quand c'est là, on a tous sur la ma can tout le monde, mais je lis presque tous les commentaires. C'est ma la vérité que nous allons Kamlin Kamkram. Ou bien sûr, je prends toujours votre avis en considération, parce que votre avis, vous voulez qu'il réalise votre thème. D'abord, nous avons les yeux, nous avons la palette Hamakat, ni Star, ni les couleurs. Les yeux, Hadi, alors Born to be Awesome, ou la Born Awesome. Qu'est-ce que tu fais là? Trop joli, je voulais les couleurs magnifiques, vous avez. Je vous mets le thème, l'orange ou le zrak. Mais voilà, alors on a vraiment les couleurs Hamakoun. Comme je vois, le bleu, le corail, le marron. Je vais prendre Adim Bdani, j'aime pas la couleur Hadi. La couleur corail, ouais, vraiment je l'aime bien. Alors, Adin Jin Ardaka, bleu pinceau. Faites attention, c'est très poudreux. Donc, on tapote bien. On Jin Ardaka avec cela. Ah oui, oui, Blati, Blati, Blati. Blati. Eye base. Ou la eye primer. On dit eye primer de You Better Work. Ou déjà testé tout sur la Hamzian. Il est bien. Donc, Adin Jin, ben dans, c'est le mouvement. Voilà. La belle dozo, le maquillage des yeux. Alors, je reprends le pêche. Et Adinji, je remouffe le creux de paupière. J'espère qu'on est balayé comme ça. J'ai essayé de zoomer un peu. Très jolie couleur, vérité. Choufou, c'est pas qui est balayé comme, mais il s'estompe extrêmement bien. C'est incroyable. Je sais pas où est-ce que c'est le fa, c'est dû à la base. Mais j'aime beaucoup. D'abord, Adin Dozo, le. Ah, Adin a fait un petit pinceau. Un estompeur, mais qu'on a un peu en boule. Finalement, on a fait un. Ou Adin a fait l'espèce de marron brique. Ou je vais le mettre flexeur clay pour creuser un peu ou pour intensifier un peu. La couleur n'est pas très très pigmentée. Ouais. Alors d'abord, Adinji, c'est pas que je dirais que de crise ou la dirais vraiment le fort. Attention, on reste dans la simplicité. Adinji, on a fait le beau bleu hala. Mon doigt pour plus d'intensité hala. Sans que de crise, sans rien. Pour tester. J'ai repris le brique où je vais fondre un peu les côtés. Comment vous trouvez? Ça, j'aime beaucoup. La vérité, c'est une très très jolie couleur, je trouve. Pour l'été, et vite. Alors, d'abord, Adin Jin, je vais le ratil inférieur avec le brique Nice. Hop. Pour intensifier. Absolument, Adin Jin, je vais le ratil inférieur. Tada! J'ai fini. Alors, d'abord, le look. La vérité, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment riche, la princesse Jasmine et tout, avec couleur un peu bleu. Bien sûr, si vous n'aimez pas les couleurs Bhaliz, si vous voulez quelque chose. Plus pour la journée et tout, vous pouvez très très bien remplacer le bleu, mettre le champagne Hada pour vous faire un look de journée, on a un look plus soft, on va dire si vous n'aimez pas trop les couleurs. Donc voilà, alors d'abord on a Salina avec les fards, pour l'instant j'aime beaucoup. J'aurais préféré que la palette et qu'on fasse un brun pour avoir une palette vraiment complète, ou un noir pour intensifier un peu les looks. J'aurais aussi préféré que le petit le brique soit un peu plus intense. Mais sinon, Fleurumum, c'est une très très belle palette. En plus, elle coûte pas cher. C'est du essence, donc faut pas en demander à outil du bzef. Donc voilà, d'abord, Radin Dozol, je vais pas appliquer de fossiles parce que Radin Wolrik, on va mettre le mascara. Il faut derrière les fossiles. Vraiment, il faut derrière les fossiles. C'est le mascara You Better Work spécial volume. Volume et curve, mascara. Hada, je peux vous dire qu'il a détrôné. Le Better Than Sex, il a détrôné le Bad Galvan, il a aussi détrôné à moitié le Panoramic Lashes. Donc, le Panoramic Lashes et le Golden Roll, mais la vérité, surtout que il est waterproof, il ne coule pas du tout. Le Panoramic Lashes, ça ne coule pas. Donc, ils sont à égalité pour l'instant. Ouzama, la vérité, j'étais très très surprise de voir qu'un mascara à 35 dirhams.
حسن بزاف من دي ماسكارا اللي عندي à 600 بال 400 بال 300 بال دونك فوالا صراحه سي تري تري بيل سوربريز دونك جي لابليكي وهانتوما غتشوفوا او فيغ يا ميزور معايا لي سيل تيتبدلوا وغادي ندير لكم عين وعين لا باش تشوفوا براسكم دو سلي مانيير راني بو بريبار اون ريفو كومبليت على هاد الماسكارا هذا سور انستغرام اجو لا بروميير فوا لي درتو جيتي شو avant là avant après je pense qu'il est belle comme le phoque je pense que tu es belle comme le phoque je pense aussi que t'as fait je n'ai absolument pas besoin de mettre des fossiles parce que j'ai le mascara là, il a un effet waouh je trouve que je vais te dire qu'est-ce que je fais à ça et tout je vais te dire qu'est-ce que je fais des biches donc voilà je vais venir l'appliquer sur les autres et voilà travail goulou qui va dire comme le rendu le tert alors d'abord à dire deux olèches le barré les lips alors pour les lips j'ai pris alors aussi quand on dit que l'eyeliner mais ça là je trouve pas que le look radie j'ai mal l'eyeliner radie j'ai acheté trop chargé l'eyeliner inchallah je l'ai pour un autre crash test je le compte sur Instagram ou d'ailleurs là c'est vraiment intéressant de continuer sur Insta d'accord mais dans si non مدرناش الهايلايتر الوغ عندي هاد لاباليت هادي جو فور ذا جلو قلت لكم انا ما كنت حتى شي حاجه في وقيتها وبلوغ دونك هادي لاباليت جو فور ذا جلو كتجي هكا اولوغرافيك فوالا مانيفيك اللي فيها 3 هايلايتر تري تري جولي اي كي نقول لكم تري تري بارتيكولي انا غادي نوري لكم لي كولور غادي تفهموني الا جو دي سا On a un highlighter bleu, mais qui ne vous inquiétez pas, maquillage vraiment zéro. On a un highlighter blanc avec des irisés et du rose. Voilà. Je sais pas ce qui est belle les coms, mais le bleu, le blanc et le rose. Ils sont pas très très pigmentés. Je suis assez déçue, Nahiyahadi. Celle-là, en les voyant, j'aurais. Voilà, est-ce que Ngoul, ils sont très pop et tout. Mais voilà, on va les essayer. Alors, on va dire de mon pinceau highlighter. Et je ne sais pas finir. Voilà. Le verdict. Wesh qui est belle et comme ou pas ça donne violet bête sûrement sur mon visage voilà d'abord là tu es belle et comme ça là il est joli mais ça t'es vraiment violet vraiment vraiment violet je suis pas très très fan la vérité je suis pas très très fan je vais venir l'estomper wesh je suis bien bon désolé les lips alors pour les lips qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris deux glosses. Les Smith Home Plump et Nude. Un marronné et un rose. Rose. Bois de rose. Voilà. Alors vraiment, c'est le genre de gloss. Il dit la même couleur Phoenix. Il dit la même couleur Fenty Beauty. Il dit la même couleur. Oui, dis-moi qu'elle a la même couleur parce que j'aime beaucoup. Elle a fait des irisés. Donc ça fait un peu. Bouche cuillère. Je dis aussi un rouge à lèvres rosé. Ouais, de la couleur 4. Couleur rouge, rouge pétante. J'ai pris aussi deux crayons à lèvres, un bois de rose et un nude. Pour là, c'est une de toute la collection de les Color Boost. L'île vous avez montré sur Instagram. Donc, il est comme un tach. Bon, tach le magnétique bleu, avec la couleur un peu foncée. Mais voilà, elle dit gars les Color Boost ou la couleur les qu'elle dit chaque jour. Elle dit deux couleurs qu'elle dit chaque jour. Elle dit la couleur. 01 Dusty Romance qui est un marronné ou elle dit la couleur li hadi vraiment elle dit la every fucking day qu'elle dit la 02 I love you me neither qui est un pêche magnifique man je dis la lumière c'est vraiment hier tu mets le jour ou les scandales chaque jour mais voilà on va tester autre chose mais là où tu fous les swatchs je dis les rouges à lèvres les color boost Kemlin n'hésitez pas à me suivre sur Instagram à Niha t'as les comme déjà une vidéo revue la double swatch beaucoup aussi donc voilà alors vraiment elle est comme tu m'as sur Instagram c'est vraiment intéressant parce que je sais que je suis pas qui la vidéo là mais qui tu m'as sur Insta mais voilà vraiment sur Insta je vous dévoile tout ma vie déjà de 1 qu'un story link comme Koulanhar je vous fais des revues que nous les comme je vous dis des unboxings dis des revues sur des choses que je trouve ma wade et tout vraiment qu'il y a une ambiance zouine sur Instagram il y a une ambiance zouine mais tout sur Instagram aussi j'ai tracé mes lèvres bleu crayon Alors c'est le soft contouring en teinte 07 Lost in Love. Donc je vais venir tracer mes jolies petites lèvres. Et voilà, je trouve la couleur magnifique. C'est le nude parfait.
Donc on va tester le marmolé. Ça va être quelque chose de français. Mais bon, on va tester. Quel est votre avis? Ça va, j'aime beaucoup. Il est mentholé. Mais d'accord, vraiment, je mets mentholé, c'est frais. Mais qu'il a sur les lèvres. Très très joli. J'aime beaucoup. La vérité, j'aime beaucoup le look. C'est très frais, c'est très. Oui, ça donne un peu de couleur pour les yeux. On a intensifié un peu les yeux. Et voilà, alors d'abord, last step, il y a fixing spray. Là, je le teste depuis, elle est une mois de 2-3 semaines. Ouais. Et je venais bizarre, vraiment, j'ai délaissé mon Face Plus de MAC, Del Gold, Del Rose, la Nettima, Révolution, Too Faced, je les ai délaissés. Vous les coulant à l'arc à parce que je suis zouine. Alors. Hyper léger, je suis zouine. Fait pas la rite cotton candy. Ouais, vraiment zouine. Qui j'accoupe le look? Gouloulé qui j'accoupe, on en sera, je suis vraiment fan. Alors, avant de terminer, avant de vous donner ma petite revue ou mon avis chez Amil, je tiens à vous présenter aussi d'autres produits. C'est pas du make-up, mais des produits, les essences aussi. Ah, ou le hajah, il y a les vernis, là, comme les casserfoum, maroufine, kamin, hab, dina, kachri, ou les vernis, dina, la marque essence. En plus de ça, on trouve la formule. Donc, c'est des formules, pas des lacquers, qui sont très très pigmentés, très très riches en couleurs, ou les maquettes sur l'eau, ce qui est génial. Et c'est des quick dry, rien qu'une chevaux. La chose que j'utilise très bien chaque jour, ma cure Erom, parce que je sais que tu veux sur Instagram, à Filmbilly, je suis une cure Erom pour mes ongles, pour les faire pousser et pour les fortifier, parce que là j'ai les ongles qui se dédoublent ou les qui sont. J'utilise l'huile à cuticule de chez Essence, la Repairing Oil à l'huile d'argan. Ça, j'aime beaucoup faire. Wahid al-reha, après la gadresse, je suis 2-3 fois par jour. Et pour l'huile, vraiment l'huile. Où elle permet du coup d'hydrater l'ongle et les cuticules. Et pour finir, l'Express Dry Spray. Alors Hada, ça sauve la vie, elle. Parce que il a que tu m'as dit, il m'a dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, وهو تقشعر تاع لي فيرني واللي خلاني نبدا لو جيل لو فيرني سيمي بيرمانون اي تو باسكو سي فريمون كيك شوز كو جو ديتيست فير انني نصبر ونبقى دايره هكا ويشوف انا نلقى ستيلو يتخسر كلشي غير خصني نعاود دونك ايسونس خرجوا ليكم ان برودوي كي اكسبريس دراي سبري كي ان سبري تيتشيت كديروه على ظفاركم وكيتشوفوا ديك الساعه هادشي بارابور او زوت برودوي وخلاص بوفي تروفي شي زو دي فوسيل. Des pinceaux, vraiment ils ont une très très grande gamme de produits, ce qui est vraiment génial. Le fond de teint, il est top. L'anti-cerne, j'aime pas, mais c'est pas. Mais si j'aime pas, mais voilà, je suis mitigée, c'est pas quelque chose de rare. Le contouring poudre, j'adore. La poudre fixatrice, j'adore. Ouais, la vérité, j'adore tout, sauf le gnal anti-cerne, l'highlighter. Et puis c'est tout. C'est vraiment tout ce que j'ai pas trop aimé sur le highlighter, c'est pas quelque chose d'un radin à dire. À part avec le bleu, l'incident, c'est un peu le fidèle coaché là ou là, mais voilà. La palette qui m'a cliqué comme c'est une très très bonne palette. Pour les gens les qui doivent le make-up, je vous la conseille à 1000% parce qu'elle est très peu chère, ou elle est très facile à appliquer, à estomper et tout. Là, comme je suis tout, les couleurs sont pas très vibrantes, très jolies. Donc voilà, c'est les kiffes. J'espère la vidéo se connaît pas comme, j'espère que j'ai observé les questions, j'espère qu'on a fait comme une revue complète. Je connais Steph Tumaya, il a déjà testé tous des produits de la marque Essence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous voulez que je comme, chez tout. Voilà, vraiment que j'ai venu échanger avec vous sur cette chose. Si on n'est pas d'accord, qu'on va nous abonner à la chaîne, vraiment qu'on a des débats en commentaire. Du coup voilà, et là, je meurs de faim, j'espère que la vidéo se connaît pas comme à Tiani, là, je vais se commenter, je serai les liens, les likes de comme. شاركوا القناة إذا لم تكنوا ليها ديروا الماكس دي بارتاج صحاباتكم إلا عرفتم عاد بدي في الميك اب داك الخلوة ديال البو ميك اب و نسيتي با بارتاجي هاد لا بتيت فيديو هادي جو كونت سور فو نو فوالا لو دي انورم بيزو نتلاقاو تري فيت إن شاء الله بو نوفيل فيديو هنايا سور لا شين جو رابيل كيل يا شاك ميركودي ميدي و سامدي ميدي نوفيل فيديو هنايا سور لا شين بيزو باي.